Plonger sous la vague dans n'importe quel océan, c'est entrer dans un monde dangereux, un monde peuplé de chasseurs. Ils possèdent tous des armes secrètes, des sens insoupçonnés. Certains sont de fins stratèges, d'autres misent tout sur la puissance ou la rapidité. Ces talents, les prédateurs marins les ont développés, cultivés pendant des millénaires. Résultat, ils se sont imposés dans ce vaste royaume. On l'appelle la planète Terre. Pourtant, l'eau occupe 70% de sa surface. Une immensité liquide sur laquelle règnent des centaines d'espèces de prédateurs. De l'Arctique à Hawaï, dans le Pacifique, ils sont présents partout. Géants ou minuscules, plus ou moins voraces, mais toujours à l'affût du faible, du blessé ou de l'imprudent. Tout en haut de la pyramide alimentaire, une poignée de super prédateurs, notamment des oiseaux, comme l'albatros de l'Aisan qui va nous guider dans ce voyage océanique, ou encore les thons, voraces et vifs comme l'éclair. Parmi tous ces chasseurs, deux groupes vont nous livrer quelques-uns de leurs secrets. Les dauphins, qui forment des sociétés unies, chassant en battue bien ordonnée. Et les requins, superbement profilés pour fuser dans l'eau et assez armés pour attaquer leur proie sans aucune stratégie. Les requins ont la puissance pour eux et très peu de concurrents. Les oiseaux opportunistes, qui plongent comme des torpilles au milieu de leur festin, ne sont que d'insignifiants pique-assiettes. Dauphins, requins. Eux que tout semble opposer, patrouillent sur les mêmes territoires et chassent les mêmes proies. Requins ou dauphins. Poissons ou mammifères. Deux pistes différentes suivies par l'évolution. Tout a commencé dans la chambre noire de l'océan, il y a 4 milliards d'années. La vie vient d'apparaître sous la forme de cellules sommaires, les bactéries. Tous les êtres vivants proviennent de ces cellules ancestrales qui, au cours du temps, se sont divisées, associées, adaptées au changement climatique. Cette évolution a d'abord donné des créatures sans coquille, puis des animaux à carapace, et un peu plus tard, les poissons. Il y a 500 millions d'années, les premiers vertébrés sont des poissons qui n'ont pour se nourrir qu'une bouche en ventouse, avec laquelle ils aspirent leurs aliments, comme ces myxines. Quand l'évolution leur donne une mâchoire, une étape cruciale est franchie. Pouvant absorber une nourriture plus énergétique, ces créatures acquièrent un cerveau plus complexe. Et les prédateurs, des organes sensoriels toujours plus précis pour débusquer des proies. Les étranges chimères demeureront dans l'obscurité des abysses, tandis que leurs cousins, les requins, monteront à la conquête de la surface. Ils y sont déjà voici 400 millions d'années, quand le groupe des amphibiens part coloniser la terre ferme. Hors de l'eau, un monde tout différent, avec de nouvelles lois auxquelles il faut s'adapter. Trouver un autre mode de locomotion, une autre manière de respirer. L'ère des reptiles commence. Elle ouvrira la voie royale aux dinosaures. Pendant leur âge d'or, va naître aussi un animal à sang chaud, l'ancêtre des dauphins. Un nabo comparé aux dinosaures, mais il est promis à un brillant avenir. C'est le premier mammifère. Et puis, coup de théâtre. Certains de ces animaux terrestres retournent à l'océan. 50 millions d'années plus tard, les dauphins portent encore les vestiges de leur vie terrestre. Leurs pattes avant sont devenues des nageoires. Les pattes arrière, en revanche, ont totalement disparu. Dans l'eau, plus besoin de membres pour soutenir le poids du corps.
Les dauphins ont toutefois gardé un lien avec le monde aérien. Ils vivent en suspens entre l'eau et l'air, par plaisir et par nécessité. Comme tous les mammifères marins, ils doivent aller respirer à la surface. Et au cours de ces allées et venues, il leur arrive de faire de dangereuses rencontres. En retournant à l'océan, les dauphins ont rejoint leurs principaux concurrents, les requins. Il en existe aujourd'hui près de 400 espèces, dont celui-ci, énorme et absolument inoffensif. C'est le requin baleine, le plus grand poisson du monde. Une gueule large de 2 mètres, un corps long de 13. Pour le requin baleine, comme d'ailleurs pour la plupart des poissons, la vie se résume à une alternative, nager ou mourir. En effet, l'oxygène est amené jusqu'à ses branchies par le courant qu'il crée en nageant. Il faut donc avancer, toujours, sinon c'est l'asphyxie. Il navigue sans effort, propulsé par sa nageoire caudale qui godille latéralement. Chez le dauphin, à l'inverse, la queue, horizontale, ondule de haut en bas. Comme quoi, en matière d'évolution, différentes solutions peuvent aboutir au même résultat. C'est bien beau d'avancer, mais il faut aussi se diriger. Pour tourner, monter, descendre, le requin gris de récif fait pivoter ses nageoires pectorales rigides et plane comme un avion. Un avion de chasse, conçu pour foncer en pleine eau. Tout miser sur la vitesse, c'est risquer parfois de manquer une occasion comme on en rencontre rarement. Ainsi, ce filet, copieusement garni, abandonné par des pêcheurs négligents. Des poissons perroquets, un nason appétissant, une carpe rouge. Tant de proies offertes et pourtant inaccessibles aux requins gris. Parce qu'un corps en torpille, c'est l'idéal pour filer à toute vitesse, mais ce n'est pas très maniable. Impossible de manœuvrer pour décrocher ces morceaux de choix. Ils profiteront à d'autres. À ce requin corail, par exemple, souple et athlétique, un as de la manœuvre qui se faufile dans tous les recoins du récif. Rien ne résiste aux mâchoires du corail. Ses nombreuses petites dents en forme de poignard peuvent sectionner, cisailler, déchiqueter. Le requin gris de tout à l'heure assiste au festin sans pouvoir y participer. Les squales ne sont pas les ogres que l'on imagine. Ils peuvent jeûner pendant plusieurs semaines. Seulement, l'occasion fait le larron et la concurrence pousse parfois à une certaine frénésie. Car chez les requins, il faut bien le dire, on n'aime pas partager. La survie d'un requin dépend entièrement de son aptitude à chasser. Son minuscule cerveau ne lui permettant pas de réfléchir, il ne peut se fier qu'à ses sens pour repérer des proies. Et pour réussir, il doit réagir instantanément à tous les stimuli. La puissance de ses mâchoires et de ses dents feront le reste. Dans sa hâte, le requin corail fait une fausse manœuvre et libère la carpe rouge qu'il s'apprêtait à dévorer. Le voici lui-même pris dans le filet. Un problème mineur pour un tel contorsionniste. La carpe ne jouira pas longtemps de sa liberté retrouvée. La victoire revient presque toujours aux animaux les mieux adaptés à leur milieu. Et il est clair que dans ce dédale de rochers, c'est le requin corail qui remporte la palme. Dans cet immense terrain de chasse qu'est l'océan, les plus prospères sont ceux qui localisent les proies les premiers. Les requins-tigres sont très forts pour cela. En voici tout un groupe qui s'acharne sur la carcasse d'une baleine bleue. 100 tonnes de viande et de lard.
l'Eldorado du carnassier. Comment les requins-tigres ont-ils découvert ce trésor de protéines? Pour le savoir, il faut remonter quelques heures en arrière. Cette baleine bleue, épuisée et malade, s'est égarée. Depuis ce matin, elle nage sans but dans le lagon, laissant dans son sillage une odeur qui trahit son état. Une odeur détectable à plusieurs kilomètres pour ceux qui ont du flair. Le requin-tigre n'en manque pas. Il a même l'odorat le plus performant du monde animal. En balançant la tête de droite à gauche, il fait pénétrer l'odeur dans ses narines et visualise ainsi une sorte de couloir odorant. Une piste qu'il n'a qu'à suivre tout tranquillement jusqu'à la source. D'abord, s'assurer que c'est mangeable. Juste une bouchée pour goûter. Le sang qui se dilue dans l'eau agit comme un signal. L'invitation au banquet se répandra très vite dans tout le lagon. Il a suffi de quelques molécules odorantes pour attirer cette foule de requins et il leur faudra peu de temps pour venir à bout de ce buffet de 25 mètres. Quand on a du nez, on est très avantagé pour la détection des proies à distance. Et comment fait-on dans le cas contraire ? Eux n'ont aucun odorat. Ils l'ont perdu au cours de l'évolution. Leurs narines ont migré vers le haut du crâne pour leur permettre d'aller respirer à la surface. Pour localiser les proies de loin, les dauphins sont tout ouïes. Chez eux, ce sens a pour siège les mâchoires inférieures qui font office de récepteurs longue portée. Démonstration avec cette femelle qui donne à son petit une leçon de chasse. Elle commence par scanner le fond. Puis, elle pioche à un endroit précis, comme si le sable était transparent et qu'elle voyait les poissons qui s'y cachent. Voici l'image sonore qu'elle a du fond marin, grâce à son système d'écholocalisation, un sonar naturel qui donne accès à l'invisible. Dans l'eau, les sons voyagent 5 fois plus vite que dans l'air. Les dauphins émettent des clics à très haute fréquence qui se propagent devant eux et reviennent en écho vers les mâchoires récepteurs. Comme les sons circulent différemment selon la densité des matières qu'ils traversent, les poissons enfouis dans le sable sont pour ainsi dire mis à nu.
les sons à basse fréquence permettent de voir loin, à plusieurs centaines de mètres, alors que les hautes fréquences donnent une image mentale plus précise, mais de moindre portée. Et maintenant, c'est au petit dauphin de jouer. Il devra s'exercer très souvent pour devenir un chasseur sachant détecter. Dans l'océan, où la visibilité est souvent mauvaise, l'écholocalisation vaut largement un bon flair. Ce sont principalement les cétacés, dauphins et consorts, qui en sont dotés. Dans la distribution des outils sensoriels, la nature n'a oublié aucun prédateur. Ceux qui n'ont pas cet ingénieux sonar, les poissons notamment, possèdent un autre sens tout aussi efficace, le toucher à distance. Tout mouvement dans l'eau génère une vibration. Ainsi, cette tortue verte émet en nageant de très légers remous. Ce requin se trouve à 150 mètres d'elle. Il ne la voit pas encore, mais perçoit distinctement ses vibrations. Comment ? Par l'intermédiaire de la ligne latérale qui court le long de ses flancs. Cette ligne est reliée à un canal interne qui capte et analyse les ondes de pression dégagées par d'éventuelles proies. C'est comme si le requin les touchait de loin. Il sent leur taille et la direction qu'elles prennent. La seule inconnue concernant cette proie potentielle, c'est son goût. Et pour le découvrir, rien ne vaut le contact direct. Avec cette petite merveille technologique, les requins ont sur le lagon un pouvoir de surveillance digne de Big Brother. Pour nous en convaincre, suivons l'un d'eux dans sa traque. Tenez, ce requin corail, nous en avons déjà vu un à l'œuvre. En temps normal, il est plutôt craintif et placide. Mais qu'un stimulus assez fort vienne exciter ses sens, et il est immédiatement sur le qui-vive, il accélère le battement de ses ouïes pour y faire circuler l'eau. En respirant plus vite, il oxygène ses muscles. Et il se met en chasse. C'est d'abord le flair qui entre en action. L'outil numéro 1 du limier sur une piste. Ensuite, le toucher à distance. À une trentaine de mètres du but, la vue prend le relais. Mais une fois tout proche de la proie, un autre outil sensoriel se met en route. L'électro-réception. Chez tout être vivant, les battements du cœur, les mouvements des muscles génèrent de l'électricité. Les requins détectent ces champs électriques. Comment ? Avec les canaux récepteurs remplis de gelée qui se situent autour de leur bouche, les ampoules de Lorenzini. Le surdoué de la famille, dans ce domaine, a vraiment le physique de l'emploi, avec sa tête en forme d'antenne. C'est le requin-marteau. L'évolution a signé là un de ses chefs-d'œuvre. D'énormes rassemblements de 200 à 300 requins-marteaux envahissent parfois le ciel marin. Encore qu'ils soient de plus en plus rares, tant les humains s'obstinent à saccager les océans. Avec tous ces détecteurs de proies en maraude, impossible de passer inaperçu, même bien camouflé. Heureusement pour ce poisson pomme de pin, un nouvel appel impérieux vient distraire ces requins corail de leur chasse. L'appel du sexe.
Les femelles disposées à s'accoupler exhalent une odeur irrésistible. Les mâles convergent vers elles, déjà excités et bientôt frénétiques. Ils n'obéiront qu'à une seule règle, celle de la sélection génétique, qui pousse chacun d'eux à se reproduire coûte que coûte. L'acte d'amour ressemble plutôt à une agression. Normal. Dépourvu de bras pour l'étreindre, le mâle doit planter les dents dans la nageoire pectorale de sa partenaire. C'est le seul moyen de la maintenir pendant l'accouplement. Pour la féconder, il possède deux nageoires modifiées en forme de hallebarde, les ptérygopodes. Il doit tenir 5 minutes. C'est long quand on est harcelé par une bande de rivaux qui veulent vous faire lâcher prise. Et chaque fois que la femelle cherche à s'enfuir, il faut la mordre plus fort. Bref, pas du tout une partie de plaisir. La voilà qui s'échappe pour de bon, mais pour être aussitôt assaillie par d'autres. L'un d'entre eux aura sans doute réussi à mettre son sperme en lieu sûr, mais à transmettre ses gènes, peut-être pas. L'hémorragie qui commence va redistribuer les rôles. De prédateur, la femelle corail devient proie. Un grand requin, un albi, s'approche déjà. Il est rare que les squales dévorent leurs congénères. Un albi ne mange pas un autre albi. Mais un requin d'une autre espèce, un corail, pourquoi pas? Quelques coups de mâchoire et l'albi aura englouti la malheureuse. À moins que ces requins gris de récif ne s'en mêlent. On se rappelle que les requins gris sont mal habiles en terrain accidenté, mais en pleine eau, leur vélocité est vraiment un plus. Le requin albi devra leur laisser sa proie. Une proie de perdue, 10 de retrouvée. Peut-être, à condition de repartir en chasse. Encore quelques milles vers le large, à la rencontre d'une troupe de dauphins tursiops. Chez le dauphin, la sexualité est avant tout une affaire de plaisir. Ils s'adonnent d'ailleurs à leurs balais amoureux en dehors de tout contexte de reproduction, n'importe quand, n'importe où. Rien de tel pour souder les membres de la communauté. Rivalité, concurrence, on ne connaît pas dans ces tribus. Tous les mâles peuvent honorer les femelles en chaleur. Car le groupe prime sur l'individu. Et les bonnes choses se partagent. Cette troupe de tursiops a adopté une jeune sténelle à long bec égarée. Le fait est assez étonnant quand on sait que les tursiops tolèrent mal les intrus qui empiètent sur leur territoire. Il leur arrive même de tuer des marsouins. En tout cas, c'est une chance pour la sténelle qui n'aurait pu survivre seule. Les différences physiques et culturelles entre la sténelle et sa famille adoptive ne sont pas des obstacles. La jeune orpheline, qu'on reconnaît à son rostre allongé, devra simplement apprendre à vivre dans le lagon alors qu'elle est habituée au large. Il n'y a pas de reproduction possible entre ces deux espèces, trop de différences génétiques. Mais le plaisir est universel. D'abord, les préliminaires. On se frôle, on se touche avec les battoirs, la queue, la bouche. L'accouplement est bref, pas plus de 15 secondes, mais souvent répété. Des caresses, des échanges voluptueux,
Pas de doute, les dauphins sont très portés sur la chose. Cela fait partie des rituels de socialisation indispensables au bon fonctionnement de la communauté. Tout comme le jeu. Des cabrioles dans les vagues, on peut en faire tout le temps. Trouver un jouet vivant est un plaisir plus rare. Ce malheureux serpent de mer va faire les frais d'un divertissement inventé à l'instant par les Tursiops. Les dauphins sont tellement curieux que ça leur joue parfois des tours. Ce jeune Tursiops vient d'entendre quelque chose, du mouvement en profondeur. Trop jeune encore pour maîtriser son sonar, il ne peut compter que sur ses yeux pour mener son enquête. L'intrus, le voici, 40 mètres plus bas. C'est le requin albi de tout à l'heure, toujours à l'affût d'une proie. Généralement, les requins évitent de provoquer les Tursiops. Un mauvais coup est vite arrivé. Mais celui-ci est jeune, isolé de sa troupe. Deux bonnes raisons d'attaquer. Le requin est en train de perdre l'avantage. Ses remous l'aveuglent et les bulles d'air qui perturbent le signal l'empêchent de sentir sa proie à distance. Au loin, des cris familiers attirent l'attention du jeune dauphin. Ceux de sa mère et du reste de la troupe. L'albi n'abandonne pas la partie. Seulement maintenant, il doit affronter la famille au grand complet. Que cela ne tienne, il va tenter d'isoler un autre jeune. Un mâle adulte intervient pour contrecarrer la manœuvre du requin. Pendant ce temps, les mères emmènent les autres petits en sûreté. Chaque fois que le requin essaye d'approcher, le dauphin s'interpose. Nouvelle tentative, nouvel échec. D'autres dauphins adultes arrivent en renfort. Il pourrait tuer le squale d'un coup de rostre en le frappant au foie, qu'il a très fragile. Mais les dauphins ne tuent que pour manger, et très rarement des requins. Il semble préférer la dissuasion, tourner autour de l'ennemi pour le forcer à redescendre dans les abysses. Et leur stratégie réussit. Cette victoire prouve qu'un groupe soudé et organisé peut avoir raison d'un des plus puissants prédateurs du monde marin. L'union fait la force, les dauphins illustrent on ne peut mieux cet adage vieux comme le monde. Et pas seulement dans les lagons turquoises d'Hawaï. Quittons le Pacifique pour nous rendre en Atlantique, non loin des côtes de l'Argentine. Ce lion de mer de Patagonie va assister à un bien étrange spectacle. Dans cette nuit étoilée, des comètes filent en tous sens. Ce sont des dauphins obscurs, beaucoup plus petits et plus rapides que les Tursiops. Ils se sont lancés dans une pêche à l'anchois, à leur manière.
Pour le lion de mer, les anchois sont des proies impossibles. Dès qu'il s'approche d'un banc, celui-ci se disloque sans qu'il ait pu attraper un seul poisson. Les dauphins obscurs n'ont pas ce problème, car ils travaillent en équipe. D'abord, rassemblez les poissons, au besoin, en les effrayant avec un jet de bulle. Puis, une fois la boule bien formée, la faire remonter du fond et la coincer contre la surface. Ensuite, il n'y a plus qu'à mordre dans cette masse pour faire un vrai festin. Ce que font d'ailleurs aussi les opportunistes, côté ciel. C'est probablement grâce à l'efficacité du travail collectif que les dauphins sont parvenus à coloniser les eaux tempérées. Certains d'entre eux ont porté cet art à la perfection. On les rencontre plus à l'est. Nous voici dans les eaux glaciales subantarctiques, sous les 40e rugissant, quelque part entre Afrique et Antarctique. De l'immensité de l'océan austral émergent çà et là quelques îles austères battues par les vents. C'est ici, dans l'archipel du Prince-Édouard, que sévit à certaines périodes de l'année un prédateur aussi terrible qu'admirable. Pris dans la tempête, des manchots cherchent à regagner la côte, risquant à tout instant de se fracasser sur les rochers. Il y a le danger de la houle violente et des rochers acérés, mais il y a aussi plus insidieux, un chasseur qui rôde. C'est sûrement un requin. Ce n'est pas un requin. Les prédateurs qui règnent autour de ces îles sont des orques. Des dauphins géants, deux fois plus longs que leurs cousins Turciops. 7 mètres de long, 4 tonnes de muscles. Propulsés par une nageoire caudale bien profilée, très vigoureuse, les orques peuvent faire des pointes de vitesse à 40 km/h. Forts de ses avantages physiques et d'autres atouts bien cachés, les orques ont évincé tous leurs rivaux. Même les requins ont préféré leur laisser la place. Sauf peut-être l'un d'entre eux qui vit dans les profondeurs, là où les orques ne descendent jamais. C'est le requin dormeur, le lémargue. Il fait parfois l'effort de chasser, mais se contente aussi bien des charognes que l'océan lui livre par 1500 mètres de fond. Et quand il s'agit, comme ici, d'une dépouille de baleine, le lémargue peut camper sur sa trouvaille et festoyer pendant de longues semaines. Les orques continuent de patrouiller dans les baies de l'archipel. Cette famille se rend à un endroit précis pour un rendez-vous annuel à ne pas manquer. La matriarche guide ses deux filles et un petit vers un lieu bien déterminé, semble-t-il. Glissons-nous dans leur sillage pour en savoir plus. C'est l'été austral,
l'époque où les éléphants de mer viennent se reproduire sur les plages. Du point de vue d'un prédateur, un mâle comme celui-ci est un morceau de premier choix, plein de protéines et de graisse, de quoi rassasier une famille entière. Les orques savent par expérience que les femelles iront à l'eau tôt ou tard pour se nourrir. Il suffit de patienter. Pour se repérer dans les remous, ils pourraient bien sûr utiliser leur sonar. Mais les éléphants de mer détectent les clics d'écholocalisation à plus de 3 km. Mieux vaut donc attendre dans le plus grand silence. Les manchots royaux, qui nichent eux aussi sur ces îles, font d'incessants allers-retours entre mer et plage. Parmi ceux qui reviennent du large, il y a souvent quelques estropiés qui tombent aussitôt dans le collimateur des pétrels géants. Inutile d'attendre plus longtemps, avec une mer aussi démontée, les mastodontes resteront à terre. Au signal acoustique de son chef de file, la famille part vers une autre baie. Depuis 40 ans qu'elle navigue autour de cette île, la matriarche en connaît tous les recoins. Elle conduit ses filles vers le côté abrité, tout en prêtant attention aux sons que pourrait émettre un éléphant de mer isolé. Pour fuir les remous qui les aveuglent en surface, les orques sondent jusqu'à une trentaine de mètres. Pendant cette descente, chacun clique une seule fois à intervalles réguliers. C'est suffisant pour garder le contact. Au calme, enfin. Les orques se trouvent tout près d'une plage investie par des éléphants de mer. Ceux qui iront se nourrir au large passeront forcément par là, à quelques mètres au-dessus d'eux. Il suffit de guetter le bruit révélateur. Silence radio. Rien. À moins que... Une flottille de manchots rentrant de la pêche. Des proies de second choix, d'accord, mais pour s'entraîner à la chasse à l'écoute, c'est bien suffisant. La technique, attendre à l'affût que les proies se rapprochent pour les intercepter. Se fier entièrement au son pour les localiser. Calculer le meilleur moment et foncer dans le tas. Les orques ont l'avantage. Mais peu habitués à la tactique du siège, ils n'auront peut-être pas la patience d'attendre qu'un manchot se décide à regagner la plage. Qui se lassera le premier ?
La carcasse, bien trop petite pour rassasier un adulte, est offerte au Benjamin. Les charognards peuvent se disputer les restes. Après cette digression, la patrouille revient à son premier objectif, trouver le redoutable, l'insaisissable éléphant de mer. Pas facile l'existence du mâle éléphant de mer. De la naissance à la mort, sa vie n'est qu'une course effrénée pour faire du gras, s'imposer aux autres, devenir pacha à la place du pacha, et enfin pouvoir se reproduire. Exténuant. Des années d'efforts pour se hisser au rang de chef de harem et pas moyen d'en profiter pleinement. Car les jeunes mâles sont là, qui louchent sur les femelles durement conquises. Les orques sont fin prêts pour l'embuscade, mais ils ont intérêt d'abord à faire profil bas, plonger avant d'entrer dans la baie pour ne pas être trahis par leur aileron dorsal. Un appel discret de la matriarche et chacun part prendre son poste. La fille aînée traverse la baie jusqu'à l'embouchure de la rivière. Les éléphantaux grassouillets, qui aiment bien jouer dans le courant, se laissent parfois entraîner un peu loin. La proie idéale pour un orque, à condition de rester silencieux. Pas question d'utiliser l'écholocalisation. Juste un clic très bref, un signal pour les autres, qui signifie « en position ». La fille cadette de la matriarche va se placer en embuscade à l'autre extrémité de l'anse. Et à mi-chemin entre les deux filles, la matriarche et le petit vont faire diversion pour semer la panique sur la plage. Une fois qu'ils ont attiré l'attention sur eux grâce à leur numéro, les duettistes feignent de quitter la baie. Mais les deux autres orques sont toujours embusqués. Sur la plage, tout le monde croit le danger passé. Chacun reprend son activité normale. Un don juan d'opérette a profité de cet instant de panique pour s'introduire dans le harem. Et même davantage. Un crime de lèse-majesté. La femelle objet préfère s'éloigner. Elle avance jusqu'à la rivière. Tout près d'un des deux orques en embuscade. Écoutez, attendre le moment propice pour mettre en route son sonar. Et en avant.
La proie lui a échappé in extremis. Il faut l'empêcher de s'enfuir. La fille aînée lance un cri d'alarme pour rameuter les autres. L'éléphant de mer aux abois veut plonger, mais trop tard. Il est intercepté par la matriarche venue en renfort. Des nuées de charognards, des remous, des éclaboussures. Autant d'indices révélateurs pour qui sait écouter. Un autre groupe d'orques se hâte vers ce festin annoncé. La curée bat son plein. Chaque convive détache sa part de viande à coups de dents et mange à son tour, assisté d'un voisin qui maintient fermement la carcasse pour l'empêcher de couler. Faire ripa, et oui, mais dans le silence le plus strict pour ne pas attirer l'attention d'une troupe rivale. Trop tard, l'autre famille sera là dans un instant pour tenter une opération de raquette. Se laisser dépouiller, hors de question. La matriarche et ses filles vont défendre leur butin. Message reçu, les opportunistes reprennent prudemment leur distance. Les deux familles s'observent à présent. La nourriture qu'ils se disputaient ayant disparu, les orques sont plus enclins à socialiser. Frapper la surface de la queue, montrer son ventre, échanger des caresses, autant de manières de fêter les retrouvailles. Car ces deux familles appartiennent en fait au même clan. Elles se sont reconnues. Une taille de géant, des outils sensoriels de pointe, la maîtrise et la transmission de techniques de chasse évoluées, tous ces atouts réunis font la supériorité des orques sur les autres chasseurs du monde marin. Mais qu'ils soient en haut ou en bas de la pyramide, tous ces prédateurs obéissent aux mêmes règles. S'adapter à leur proie et manger à leur faim, sans plus. C'est la clé de la survie. Pourtant, dans tous les océans du monde, les requins et les dauphins disparaissent peu à peu pour cause de pollution et de surpêche. Paradoxe révoltant, ceux qu'on appelle souvent des tueurs sanguinaires sont exterminés par l'avidité du seul prédateur réellement insatiable.